Coucou. Ah oui, je prépare mon chrono. Salut tout le monde. Merci Priscilla. Merci. C'est une perruque. Ah non. C'est Laetitia. Coucou Chloé, tiens, c'est Yo-Yo. Ah, Jimmy. Allez, tu fais la séance avec nous, Jimmy. Hein. Coucou Marie. Marine. Salut Cécile. Merci mon yo-yo, regarde ça. T'as vu ça? Du plastique. Ah, Audrey, Quentin, cool. Bon, ça se connecte, c'est bien, on est une bonne vingtaine. Bon, alors, vous êtes là, bike, cool. Échauffement, tranquille. Enfin, tranquille. Tabata, 20 secondes, 10 secondes, 4 minutes d'échauffement. On va faire vraiment des trucs cool pour l'échauffement. Yes. Voilà. On est le 8 mai, armistice. Ok, donc date historique. Donc, on va essayer de faire un entraînement historique qui restera dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Alors, on aura deux blocs de travail. Un qui va durer 8 minutes, parce qu'on est le 8. 8 minutes. Et du coup, après, j'ai décliné le mot armistice avec différents exercices. Le A comme air squat, et ainsi de suite. Donc un truc rigolo. On aura 2-3 minutes de récup et ensuite un dernier WOD qui va durer 5 tours, à peu près 10 minutes. Ok? Et bah ben voilà. Salut Etienne. Donc oui, hein, 8 mai, en référence au 8 mai 1945. Ok? C'est la date où a été créée la télé-réalité. Bon les petits loups, c'est parti. Allez. Pour l'échauffement, vous n'avez pas besoin de matériel. Hein. Après, il vous faudra. Donc, moi, j'ai une box. Donc, ça, vous pouvez prendre une chaise hein, et une corde à sauter. Le but, ça va être de monter, descendre, monter, descendre. Mais pas pour le moment. Allez, Audrey. On y va, c'est parti. Échauffement, tranquille. Squat, jump. On aura un petit peu d'échauffement au niveau des genoux, des cuisses et tout ça. Allez. Relevez les genoux, allez, on monte un petit peu. Pas d'impact, hein. Un petit sourire. Voilà, relâche bien tes bras. Pour les pompes, ça va être. Ok. Toujours en activité, toujours en train de marcher. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Hein. Ok, là on passe sur les flexions. La trop bas, c'est l'échauffement. Voilà, progressif. Qui est pas
pas trop trop rapide. Donc vous pouvez vous caler sur la musique si vous l'entendez bien, d'accord? N'hésitez pas à me dire si c'est fort, pas trop fort. Donc, voilà, la partie première partie d'échauffement est faite. On va continuer sur le wod qui va arriver, enfin sur l'entraînement de 8 minutes qui va arriver, à peaufiner cet échauffement pour donner tout sur le deuxième. Ok ? Donc, 8 minutes. On a 8 exercices, 1 minute par exercice. Ok ? On va attendre voir s'il y a des questions. Vous pouvez boire pendant ce temps-là. Alors, premier exercice est très simple, je vous les donnerai au fur et à mesure. Le but c'est de les enchaîner, hein, sans pause. Ok, donc écoutez bien quand je vous les annonce. Salut Aline, salut Hélène, et on y va, hein. J'espère que vous êtes prêtes. Alors le premier c'est très simple, air squat, on essaye. On essaye une minute, hein. Donc on a le temps de se cramer. Hein. Au début on y va cool, et après on essaie d'accélérer un peu. Je prépare le chrono. Allez, donc c'est très simple, hein. Air squat, run, après je vous expliquerai, on a les mountain climber, les jumping jack, ce qu'on a fait à l'échauffement, les sit-up pour les abdos, vous voyez, on s'assoit, on s'allonge, on s'assoit, on s'allonge. Les tuck jump, c'est les jumps en levant les genoux, ok? On y va progressivement, on a toute la minute pour se faire mal. Juju, je veux devoir le faire, hein. Ensuite on aura la chaise, on va faire, soit on utilise la chaise, on monte, on descend, on monte, on descend, on saute pas, on monte, on descend. Ensuite, on aura de la corde à sauter parce qu'on a prévu la corde à sauter et on aura une minute de récup. Et après, on enchaîne le deuxième. Allez, petit loup. 20 secondes avant que ça démarre. Et là, on est parti pour 8 minutes. Sans pause. Allez, 10 secondes avant que ça démarre. On commence par les air squats. Ok ? Air squat et run déjà. Air squat et run. Une minute, c'est long et ça fait mal. Attention au départ. Allez, on y va, c'est parti. Je veux que ça descende bien jusqu'en bas. Pousse tes fesses en arrière, ne va pas les genoux en avant. Hop, hop. Bon, le terrain est en pendant, je vais mettre comme ça. Ah. Quand tu remontes, serre les fesses, hein. Vite dès le début.
tu vas vite dès le début, tu vas sentir que ça va te brûler, il va falloir tenir mentalement jusqu'à la fin de la minute, ok? Là on a fait 30 secondes. Allez, on continue, on s'approche bien, on est vraiment dans la résistance, hein. Donc si ça fait mal, c'est normal. Musculaire, hein. Il y aura perdu après. Hein. Allez, c'est parti, on court. Allez. Donc partez pas comme des zinzins à donf à donf. Hein. En une minute, vous avez le temps de faire 1 km. Hein. Allez, encore, on s'approche bien. Une minute, c'est pas long, hein. Sauf quand on souffre. Allez. Allez, allez. On lâche pas maintenant. On passe au mountain climber. Droite et gauche. Quand tu fais ça, je veux pas les fesses en l'air. Hein. On est bien à l'horizontale, fesses serrées, abdos contractés. En plus, tu as le temps d'y penser, tu serres ton périnée. Ok, tu le serres bien. Allez. Il y a 30 secondes, les gars. Et les filles. Après ça, on est sur les jumping jacks. On accélère un peu les gars, hein. On accélère. Je vous vois hein, dans la caméra là, je vous vois. Hein. Allez, on accélère. Après les jumping jacks, on aura les sit-ups pour les abdos. Et on accélère. Sur ce mouvement là, pas de dégâts, tu bloques pas ta respiration, tu expires à la montée. Rappelle, comme j'ai dit pour les climbers, le périnée, je veux qu'il soit serré, on se contracte mort, ok? Fesses abdos contractés, hein. Allez, allez, on y croit. Allez, on y croit. Après les sit-ups, c'est les tech jumps. Saute avec les genoux en l'air.
musical. J'espère que vous n'avez pas pris le marchepied, hein. Après, vous prenez votre corde à sauter après ça, d'accord? Et après, on aura fini, les là, ok? Allez. Ok, prends ta corde. Allez, c'est parti pour une minute. Bien, c'est très important. Là, on était sur un wod, ok, très simple. Après, c'est à vous d'avoir mis l'intensité ou pas. Donc ça, par exemple, vu qu'il sera enregistré, il sera sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à le refaire avec intensité maxi dès le début, sans le péter dans le rouge. Ok, chacun gère son effort comme il veut. Maintenant, deuxième séquence, très très simple, pareil. 5 tours, ok, 5 parce qu'on est le 5, parce que c'est le mois de mai, le 5, ok. Ensuite, j'ai divisé 1945 en deux, en trois même. On a le 1 de 1945 en une minute de chaise contre le mur. Une minute. Ensuite, 9 burpees. 9. Complet, hein. Ok. Ou les demi vraiment pour... hein, Chloé. Et 45 secondes de corde à sauter. Ok. On fait une minute de chaise. 9 burpees. 45 minutes de corde, 45 secondes pardon, de corde à sauter, sans pause, et on fait 5 tours. Ok, ce qui fait à peu près 2 minutes le tour. Fois 5, 10 minutes. Seb, si t'écoutes. Mel, si t'écoutes. Tutu, hello. Ok. Alors, ce qui nous fait... Les petits loups. Allez, 6 tours, on va faire. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On commence avec une minute de chaise. Je vais tourner un petit peu. Je vais mettre là. Allez. Une minute, hein. Je vais me mettre comme ça, on va tourner un petit peu. Une minute, ça va brûler, hein. Après, on a les burpees. Donc, le genre, quand on va se relever, les 45 minutes d'accord. Halfway there.
Les demi ou les normaux?
champion. Vous pouvez m'insulter, hein. Tiens Karine, t'arrives à la fin de la guerre. Ah, c'est fini mon petit chat. Je discute avec les gens et j'arrive. Ok. Et ben voilà, c'est fini. C'était pas long. 10 minutes, 8 minutes, 18 minutes. En tout, avec le petit blabla au milieu, 20 minutes. 20 minutes d'entraînement. Vous pouvez rajouter encore derrière deux choses si vous voulez. C'est déjà très bien. Si vous le faites à haute intensité, c'est nickel, ok? Pas besoin de se cramer plus. Ça pique? Bah oui, Isa. Ça pique. En fait, si vous faites le premier training en mode, on va dire, le but c'est de tenir la minute, sans mettre trop d'impact,
Ça va être un exercice de renforcement, ça va être très bien. Si vous voulez vous mettre un petit peu plus en déficit, allez à fond dès le début, ok? Vous allez asphyxier les muscles, donc c'est bien, ok? C'est très bien. Une fois qu'on a fait les 8 minutes, maintenant, le deuxième bloc qu'on a fait, les 5 tours. Une minute de chaise, congestion des cuisses. Et après, ce qu'on recherche sur les 9 burpees et la corde à sauter, c'est l'explosivité. Okay, le rebond sur la corde à sauter et le fait de pouvoir remonter okay, vite avec les cuisses sur les burpees. Explosivité. Ok. Donc, on a tout. Maintenant, vous adaptez ça en fonction de vous, en fonction de votre niveau. Il n'y a pas de standard prérequis. Ok. Demain ou dimanche, je vous enverrai. Vous verrez sur ma page Facebook. Marie, t'inquiète pas, t'en auras d'autres à faire après. Sur ma page Facebook, je vais vous redonner un planning à partir de la semaine prochaine. Parce que vu que ma femme reprend le travail, va falloir que je m'adapte avec l'emploi du temps pour les filles. Garder les enfants. Donc il y aura peut-être un peu moins de live. Il y aura moins de live, forcément, parce que je serai occupé. Par contre, j'enregistrerai des séances que vous pourrez aussi visionner sur ma chaîne et que je rebalancerai sur ma page Facebook pour que vous soyez toujours actifs. Il y aura toujours, ok, au moins le lundi et le mercredi, toujours. À voir si je mets deux séances différentes, et voilà. Donc ne soyez pas perdus, il y aura toujours des choses. Ok? Bon week-end à vous, profitez bien de votre famille. Dernier week-end de confinement, pourvu que ce soit le dernier. Ne faites pas les foufous à sortir à fond, ok? Prenez le temps, on a le temps de se déconfiner. Portez-vous bien, à bientôt. Cœur. Puis j'aime bien faire des lives avec vous.